Après avoir réduit l'univers entier en esclavage, l'Empire Lexos et à sa tête le terrible Gloomanshu projette aujourd'hui d'envahir la Terre. Heureusement, Gustave Eiffel, architecte visionnaire, avait tout prévu en construisant en 1889 une tour dont l'alignement des structures reproduit de puissants totems d'exorcisme et protège ainsi notre planète de toute intrusion extraterrestre. Ne pouvant débarquer qu'en petit nombre sur le sol terrien, les Lexos vont désormais tout tenter pour détruire l'œuvre de Monsieur Eiffel. Mais quelqu'un veille sur nous. Au sommet de la tour Eiffel, la nuit surgit une étincelle. Prêts pour le combat, ils sont toujours là, l'escadron des mousquetaires. Courage, espoir, France 5. France 5. Du plus haut du ciel, on menace nos baguettes. Plus de bon vin, plus de balles musettes. Pour nous sauver, formez le bataillon. France 5, go! Concorde, Concorde, Panthéon, Panthéon, liberté, égalité, fraternité, camembert, camembert, saucisson, saucisson, l'heure a sonné, venez pour nous sauver, nous délivrer. Jushi Sentai, France 5. Faut savoir être galant des fois dans la vie. C'est pas les anciens élèves de Thierry quand ils faisaient encore des arts martiaux? Mais si, d'ailleurs il allait fêter ça à son dojo. Tricher n'est pas jouer. Toxicostrum renverse les règles. C'est gentil d'être venu. Ça fait au moins un an que tu n'as pas mis les pieds sur ce tatami. Depuis la mort de mon père, en fait. Ouais, on peut dire que j'avais des choses à faire. Tu vas voir, les élèves ont beaucoup progressé. Ils ont même eu de très bons résultats au dernier tournoi. Est-ce qu'au moins ils ont mérité cette victoire? Bah, tu vas pouvoir en parler avec eux. Ils rentrent aujourd'hui. Bref. On a gagné! On a gagné! Ouais! Là, je lui ai foutu un coup terrible! Trop fort! Tu vas voir, tu risques d'être surpris. Même toi, je parais que t'aurais du mal à les battre. Écoute, si l'un d'entre eux ne me touche ne serait-ce qu'une seule fois, je serais prêt à faire tout ce que tu veux. Vendu! Yes! Steven! Alan! Kevin! Ça vous dit un petit match contre Thierry? Faut que vous lui montrez ce que vous savez faire. Ah, Thierry! T'imagines même pas le bonheur que c'est de pas te mettre une bonne raclée. Vous fatiguez pas les mecs? C'est moi qui commence. Tu vas pas être déçu. Bah voilà. Bon ben, je crois que t'es libre dimanche. Très bien, une promesse est une promesse. Bon, j'y vais, j'ai affaire. Quant à vous, les champions, rappelez-vous que les arts martiaux ne sont pas une démonstration de force, ni même un moyen de ramener des filles faciles. On sent vraiment que le maître n'est plus là. J'y crois pas, je suis dégoûté là. C'est pas possible, y'en a pas un qui était fort comme ça au tournoi. Je vois trop pas comment on peut le battre. Allons, allons, messieurs. Ne vous laissez pas ainsi aller à la défaite. Mais t'es qui, toi? Mais c'est qu'ils ont la défaite amère. Nos poids plumes. Quoi? Répète un peu. Du calme, voyons.
Je viens vous offrir de quoi être vraiment les plus forts. Et tu veux quoi en échange? Votre victoire, bien sûr. Marché conclu. Quand même pas que j'allais laisser filer comme ça après notre pari. Ah, disons, j'espérais. Waouh, elle est pas mal en plus. J'hallucine. Je crois pas que ce soit une si bonne idée. Tais-toi, tu vas nous faire repérer. Qu'est-ce que tu peux être rabat joie? Il fait beau aujourd'hui. Tu pourrais te détendre un petit peu. Mais qu'est-ce que ça va importer? Mais tu comprends rien. Mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et. Je sais pas comment te dire, mais. Ça fait longtemps qu'on se connaît tous les deux. Et c'est difficile. Je sais pas comment te dire ça. J'en veux. Mais qu'est-ce que tu fais? Monsieur, ça va? C'est qui ce trouble fête? Mince, il a tout gâché. Finalement, on a bien fait de venir. Allons-y. S'il vous plaît. Une dernière dose d'ecstasy. S'il vous plaît. Quoi? Ecstasy? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous faites là? En fait, voilà, il y a la sœur de la voisine de la cousine de notre... Aucune importance. Il a fait mention d'ecstasy et apparemment sous de dépendance. Faut absolument l'emmener chez le professeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Désolé, Eli, mais je tiendrai ma promesse une autre fois. C'est bon, vous pouvez entrer. Vous avez trouvé quelque chose, professeur? Oui, manifestement, il a subi l'influence d'une drogue ou d'un poison. Avant de s'évanouir, il a demandé après ecstasy. Ah, voilà pourquoi j'ai trouvé des lexo-éléments dans son sang. Vous pensez que les lexos ont drogué cet homme? Après avoir analysé cette drogue, je peux vous dire qu'il s'agit d'un puissant dopant, qui multiplie les capacités musculaires. Malheureusement, il rend aussi très agressif. Thierry, un appel pour toi. Allô? Allô Thierry, viens vite! Les élèves sont devenus fous! Ils ont arraché le portrait du maître! Et ils sont en train de ravager le dojo. T'inquiète pas, je m'en occupe. Les gars, je crois que j'ai une piste. Ne perdons pas de temps, allons-y. Professeur, serait-il possible d'avoir rapidement un antidote? À corbeau vaillant, rien d'impossible. Mais même si je trouve un antidote, je ne vois pas comment je pourrais vous le faire parvenir. Tant pis, on s'ébrouillera seul, comme d'habitude. On file, prof. Hein? Ah, Thierry, tu as l'heure pour la troisième mi-temps. Alors, vous êtes fiers de vous? C'est Thierry. Même toi, tu ne peux plus nous battre. Ha! Vous l'aurez voulu! Black, Beaujolais, transformation! Impressionnant. Et tu croyais arriver seul contre nous? Seul? Ne me faites pas rire. Vous savez plus compter? Courage Thierry, nous voilà! Ha! Oh! Yeah! Oh! Un pour tous et tous pour un! Attention! Eux aussi sont contaminés par des lexo-éléments! Oui, mais n'oublie pas qu'ils sont innocents! Il faut faire attention alors! Il faut prendre garde à ne pas les blesser surtout! Hop là! Hey! Hop! Hop! Là, on se calme! Hop là! Cette fois, y'en a marre! Toi, je vais te... Non, Jean! Tu sais bien qu'ils ne sont pas dans leur état normal! Hé, hey, Thierry! C'est par là que ça se passe! Hein? Oh! Oh là! Wow! Imbécile! Les arts martiaux sont pas faits pour... Regarde plutôt derrière toi! Comment? Alors, comment trouvez-vous ma petite armée? Alors, c'est à cause de toi qu'ils sont tous devenus fous! Attention, on ne sait pas de quoi il est capable! Laisse! C'est entre lui et moi! Attends! Ah! C'est l'heure de la piqûre. Thierry. Espèce de monstre. Lâchez-moi. Thierry. Maintenant, à votre tour. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, ordure. Yeah! Je suis là! Ah! 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 Ah!
vache. Bats-toi en homme. Je vais en finir avec vous. Qui a osé? Hein? Aramis? Mais c'était toi dans la boîte de nuit. Antoine, tu le connais? Bien sûr qu'il me connaît, n'est-ce pas Antoine? Projet rouge. Mais Aramis, où est-ce que tu étais passé? Tu ne te rends pas compte? Tu n'as pas changé, Antoine. Tu es toujours incapable de protéger ceux que tu aimes. Aramis... Regarde, et prends-en de la graine. Emparez-vous de lui! Je... sèche... et marche! Ya! Paf! Mais il est fou! Il va finir par les tuer! Tout va bien, mademoiselle? Pas les pattes, malotru! Ah, débarrasse-moi de lui! Mais alors, c'était toi? Ah, vous ne reculez devant rien, les Lexos! Oh, Silver Mousquetaire! Hé, hey, c'est dangereux ça! Et ya! Très bien, puisque je n'ai pas le choix, quand on commence quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Aramis. Je ne sais pas si c'est vraiment très prudent. Tu vois bien qu'il n'en peut plus. Allons, Sophie, laisse-lui sa chance. Rien à faire, j'y arrive pas. Antoine, ça va? Alors Antoine, quand on commence quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle détermination! Il était prêt à tout pour stopper Toxicostrum. Tu n'as pas changé, Aramis. Tu n'as pas encore compris que la fin ne justifie pas les moyens. Ah oui! Pourtant, s'ils ont mal, c'est qu'ils sont encore vivants. Encore toi? Mais où est passé mon Silver? Vous m'ennuyez. Et puis je n'ai pas de compte à te rendre. Si je suis ici, c'est parce que le prof me l'a demandé. Mais attends! J'ai échoué! Mais que penserait mon maître? Mais non! Je comprends ce que tu ressens. Mais alors, qui était-ce? Tu le connais? Oui, c'est une longue histoire. Dans le grand jeu de la vie et de la mort, il n'y a pas d'échec. Je ne suis plus digne de France 5. Je vous quitte. Pas la peine de me retenir. Attends! Thierry, reviens! Thierry! Thierry, mais attends! Antoine, fais quelque chose! Je suis désolé, maître. Ce n'est rien. Alors, Ecstasy, au autre sol, qu'est-il arrivé à Toxicostrum? Incapable! Tu as tout gâché! Mais maître, mon plan est un franc succès. Certes, le pauvre Toxicostrum a disparu. Mais est-ce de ma faute s'il a décidé de s'attaquer seul aux France 5? Et puis, n'oublions pas, les Français n'ont plus de sportifs. Et bientôt, le pays sombrera dans le chaos. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses! Maître, j'ai récupéré Toxicostrum grièvement blessé. Et avec votre permission, j'aimerais le soigner, afin de l'utiliser à ma manière. À ta manière? Mais Toxicostrum n'est pas une brute. Il doit être utilisé dans des activités plus... cérébrales. Seigneur, je suis confiant dans mon plan. Laissez-moi Toxicostrum et je vous montrerai ce que je vaux vraiment. Très bien, Warduk. Si tu arrives à effacer l'échec d'Ecstasy, je tenterai d'oublier ton incompétence notoire. Merci, maître. Mais pour un résultat parfait, j'ai besoin de la science... de cancrelax. Nier, moi aider un idiot comme toi, plutôt mourir. L'affaire, imbécile. Laissez vos querelles mesquines de côté. Elle n'aide pas à imposer ma magnificence sur cette planète rebelle. Tu vas l'aider comme il le souhaite, et sans protester. Nier.
Alors, c'est lui, le nouveau toxicostrum dont tu es si fier ? Regarde donc pourquoi je suis si fier. Nier, j'ai utilisé toute ma connaissance des soldats Lexos pour te modifier. Désormais, tu pourras cracher le gaz mortel qui est à l'intérieur de ton corps grâce à ce tuyau relié à tes veines. Et maintenant, Warduk, que vas-tu faire avec ce petit nuage ? Empoisonner la population terrestre ! Et voilà toute l'histoire, prof. Évidemment, Thierry a un fort caractère et vous n'avez pas pu le raisonner. Il culpabilise beaucoup depuis que Silver Mousquetaire est venu nous prêter main forte. D'ailleurs, à ce propos, je... Professeur, c'est urgent. Toxicostrum n'est pas mort. Il est en train d'empoisonner la population avec un gaz hautement toxique. Regardez, Seigneur, comme ces humains fuient devant la puissance de mon nouveau Toxicostrum. Bien. Voilà qui rachète des échecs passés. Mais venez crier plus fort. J'entends mal. Vous avez entendu, humain ? Alors souffrez encore en l'honneur de mon maître. Ça suffit ! Hein ? Quoi ? Vous n'avez donc aucun honneur. Vous en prendre ainsi à des innocents. On vous reconnaît bien là. Cette fois, vous avez dépassé les bornes. Mon Dieu, regardez tous ces pauvres gens. Encore vous? Mais où est passé le cinquième? La valeur n'attend pas le nombre des couleurs. Et tu vas voir ce que tu vas voir. Cette fois, les Lexos, vous êtes allés trop loin. Oh Tolia Hey Ha ha Hop là Ya Ponza! Et hop là! Ta! Ya! Ta! 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 Ous! Allez! Ya! 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 Tiens! Hey! Ta! Antoine ! Alors les Francefailles, on manque d'air. Comment est-ce possible ? Nos armures devraient pourtant nous protéger. Elles sont peut-être efficaces contre un petit gaz de rien du tout. Mais celui qui en ce moment pénètre votre corps et ronge vos cellules est le fruit de milliers d'années de fermentation des plus effroyables bouillons de culture de l'univers. Alors, t'as bien compris ? Jean ! Thierry ! Thierry ! Thierry ! Tes amis sont en danger. Il faut que tu ailles les aider. Écoute, je n'ai plus rien à voir avec eux. Je... Et je les ai moi-même sélectionnés ! Une vraie horreur ! Avec de véritables extraits de purulite de la planète Pestibola. Bande de vénards. Tiens, j'ai trouvé ça derrière le portrait de mon père. Il aurait voulu que ça te revienne. Celui qui parviendra à s'élever aux cimes de son art n'est point celui qui n'a jamais failli, mais celui qui a connu l'amertume de l'échec. Goûter la défaite pour mieux vaincre ensuite, telle doit être la démarche spirituelle, véritable combattant. Merci, maître. Restez calme. Vous n'en avez plus que pour une heure ou deux. Ah, le spectacle de vos corps se tordant de douleur me rappelle ma tendre enfance et me remplit d'une douce nostalgie. Mais je ne ferai pas la même erreur qu'Ecstasy. Je vais vous achever moi-même et tout de suite. Espèce de lâche. Il serait temps que vous appreniez la ponctualité, les France 5. Tiens, je vais garder quelques effluves. Hein ? Quoi ? À celui qui est en lui-même, sans que les choses restent en lui, les choses se montrent telles qu'elles sont. L'eau tranquille est si claire qu'elle illumine.
Si telle est la clarté de l'eau tranquille, à plus forte raison celle de l'âme. Ainsi, Black Beaujolais a entraîné son corps pour laisser couler sur lui toute forme de poison. C'est ce qui le rend capable de se charger de toutes les choses sans qu'elles lui portent atteinte. Ah, de l'air! Thierry, tu es revenu! Thierry! Thierry! C'est merveilleux! J'ai compris que tout le monde avait le droit à l'erreur, même moi. C'est super! Tout le monde est réuni maintenant! Vous aurez beau tout tenter, jamais vous ne briserez la force de l'amitié! Comme c'est charmant! Mais vous n'avez pas encore gagné! Celui-là, il est pour moi! Thierry! Attends! Laisse-le faire. Il a quelque chose à se prouver. Approche! Double, bonjour dame. Thierry! Bravo Thierry, bien joué. Vous êtes bien joyeux, mais n'oubliez pas que vous êtes maintenant empoisonné et que vous allez bientôt mourir. À toi l'honneur. Je vais vous pourrir la vie. Réduire à néant les efforts de toute une vie, c'est ce qu'il y a de pire pour un sportif. Plus jamais tu ne verras le désespoir dans les yeux des supporters. Le prochain traitement, c'est nous qui allons t'administrer. Faire fi des conseils du corps médical, c'est inqualifiable. En tant qu'arbitre de la justice, nous allons te botter en touche. France 5, prêt au combat. Ha! Ekero Kappa! Shining Blue Spark! Tiens, ce pain-là ne sera pas perdu! Prends ça! Double fromage! Et maintenant, prépare-toi! Voilà ma meilleure cuvée! Allez, allez! Bois encore ma santé! Double! Éthylique! Slasher! Celui qui a bafoué le sport périra par le sport! Olympique! Crusher! Handball! Volleyball! Basketball! Rugby! À moi! Ho! World Cup! Shoot! Gozobos Zobos, le mal est présent, le mal est grand. Sous la finale. Malédiction, à nous, jette Charlemagne. À cause de cette fumée! Maudit brouillard! Ce n'est pas possible! Serait-ce la fin? Quoi?
qu'est-ce que c'est que ça? La voie est libre. À vous de jouer. Ah, Catherine, toute la puissance en attaque. Bien compris. Mode chevalier, activation. Mode secrète, double coup portail de Nevers. Et à la fin de l'envoi, je touche. Mon beau Toxicostrum. War Duke, nous allons donc considérer que tu as lamentablement échoué. Tu es d'accord? Mais je ne comprends pas, c'est lui qui est arrivé avec son robot. Ce n'est rien. J'aurais dû prévoir votre incompétence depuis longtemps. C'est pourquoi, devant votre incapacité à remplir les missions les plus simples, j'ai décidé de faire appel à un nouveau lieutenant qui, lui, me débarrassera définitivement des France 5. Niais, maître. Vous ne pensez tout de même pas... Si. Justement. Son vaisseau ne devrait plus tarder à arriver maintenant. De qui parle-t-il? De quelqu'un de plus terrible que la mort elle-même. Cette fois, le destin des France 5 est scellé. C'est dégueu ce truc. Allons, vous devez tout voir si vous voulez éliminer le poison de votre corps. À ce propos, Margarine, où est le professeur? Je ne sais pas, il est allé se reposer. Fabriquer l'antidote l'a épuisé. Ah, si seulement tout cela n'était pas arrivé. Quand on commence quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Manchu a appelé auprès de lui son combattant le plus redoutable pour mettre un point final à la résistance des France 5. Son attaque sera immédiate et fulgurante. Tourmentés par un passé douloureux, les France 5 devront protéger coûte que coûte une tour Eiffel plus menacée que jamais. Prochain épisode, Paris brûle-t-il? La menace s'appelle Zakaral.